C'est par le violon, mais je joue à peine le violon. Je joue avec Chichi et Teddy, bon. Marinella. Alors j'en ai marre de Marinella. Alors, ça ne m'intéressait pas. J'avais été tombé complètement, je ne jouais plus du tout. Parce qu'on ne faisait, faisait plus la tête, après. C'est arrivé la guerre. Voir mes cousins et mon oncle pour faire voir parce que mon père jouait la guitare, mais enfin il jouait des accords anciens, donc il était... c'est pas comme ça que j'avais vu. Moi j'ai décidé de la même ça. Alors tu vois mes cousins qui jouent très bien, il me dit non, je peux pas voir, t'as pas voulu t'apprendre quand t'es petit, t'as qu'à t'apprendre tout seul maintenant. J'étais voir mon oncle, c'était pareil, il m'a dit t'as qu'à t'apprendre tout seul. Alors j'ai appris tout seul. Je pense que c'était loin. Alors, il m'est venu l'idée. Il y avait des spectacles qu'ils faisaient à Lille, au théâtre ou au cabaret, là. Alors, en ville, ils mettaient des affiches, mais il y avait restriction de papier. Les affiches étaient grandes comme ça. Hein. Alors, avec une bonne loupe, un bon crayon et un papier, j'allais regarder les loyers des guitaristes, et puis arriver à la maison, j'essayais de marquer sur un papier. Et comme ça, j'ai trouvé tous mes accords. Thank you.
42, j'avais 10 ans. Alors, quand j'ai vu, je revois cette image-là. C'est un petit cousin, un petit manque qui est venu me chercher. Un petit cousin, moi, qui habitait encore en roulotte. Alors, bien un jour, on me dit, il y a Django qui vient, on va aller en ville ce soir. J'ai vu Django la première fois, il était assis, là, tout en blanc, tout en blanc, Hubert Austin, tout ça. Alors, Louis-Pierre Fouad. Dans les gros fauteuils, ils allaient pour jouer. Et en première partie, c'est Gérald Trenet. C'est les bons numéros, Gérald Trenet, hein, à l'époque. Chanter, je chante, boum, trucs comme ça. Là. Alors, bon, cousin, il connaissait Django. Il me dit, tiens, je te présente mon cousin. Ah ben, alors, il dit, c'est mon cousin aussi. Ils sont tous cousins. Bon, voilà. Comme ça. Alors, je n'ai pas joué avec lui aussi, bien sûr. Et j'écoutais son concert, et c'est là que ça a démarré. J'ai voulu que mon père m'achète une guitare, pourtant mon père en avait à la maison. C'était comme ça à la maison. Mais bien plus, j'avais 30 guitares. Des guitares espagnoles, des guitares italiennes, des guitares, toutes belles guitares. Mais non, j'ai voulu mon père m'achète une guitare, c'est la meilleure, comme ça, avec un trou citron, comme j'avais vu que Django avait. Ça allait mieux, sans doute. Parce que les autres n'allaient pas. Hein. Je ne pouvais pas jouer là-dessus. Voilà, toujours présent. Comme instrumentiste, mais comme compositeur. Parce que quand il jouait, il entendait un orchestre, lui tout entier, il reposait sa guitare, il disait à l'autre fois que tu fais ça, tous les morceaux. Bizarre. Hein. Mais le Rubiscule, c'est une montée de morceaux, c'est tendu. Où je suis arrivé, c'était au Montmartre, vous connaissez? Vous connaissez? Hein? Oui.
J'arrivais là. Alors là, il y en a de Bruxelles, où je quittais un cabaret qui était étonnant, c'était nickel, et puis moquette comme ça, éclairage direct, aspirateur de fumée, tout. J'arrivais sur Montmartre, je vois ce machin-là, cette salle carrée avec un grand poteau au milieu avec des petits morceaux de verre et de glace. Et alors, là, tout bleu, c'était tout bleu, une grosse peinture bleue, foncée, avec des étoiles, des étoiles dorées un petit peu. Et puis des gros marins dans un coin. Et des doigts dessinés. C'est ça. Alors, bon, quand j'ai vu ça, la clientèle qui était en retard par rapport à la clientèle que je guidais. Maintenant, c'est mis au bout, bien goût, là. Il fallait jouer des bourrés. Alors moi, je jouais des boléros, je jouais des tangos. Parce qu'on jouait du jazz très peu, après. Il fallait faire de la musique pour danser, donc il a fallu se mettre tout en gros, boléro. Mais ici, je suis arrivé, des bourrés, des valses, pas autre chose. Voilà. Alors, je suis resté presque un an, là. Alors, j'étais venu pour un mois seulement. Alors, je téléphone à mon frère, sérieux, je lui reste pas. Hein. Mais il est resté le mois, je vais vous trouver autre chose. Puis il a trouvé autre chose, mais trop tard, hein, parce que mes musiciens sont partis, l'un qui a barboté de l'argent à l'autre le jour de la paye. Et ils sont partis. Alors, je me suis retrouvé tout seul, là, au cabaret, là, clairement. Alors, le patron, il me dit, écoutez, ça m'embête pour vous, parce que vous êtes bien. Si vous pouvez trouver un accordéon, un bandoneon, une batterie, moi, je connais un bon pianiste à Lyon. Il viendra. Bon, ben, je vais rester là. Alors, c'était véritablement un bon pianiste. Louis Lambert, s'appelait. Et puis, le petit cordonnier d'ici, il jouait de l'accordéon de Bordeaux et de la batterie. C'était raison. Bon, ben, je suis resté là. Et après, bon, j'ai retéléphoné à un poissario. Il y avait rien à faire, mais pas tout de suite. Alors, il fallait que je travaille, moi. Hein, j'ai un gamin. Et bon, je suis parti à Limbaud, à Roluc, un beau restaurant au cabaret. Voilà, c'est 3 mois, là. Après, je suis revenu à Clermont, je travaillais au Casino Royal, et ainsi de suite. Je suis resté, après, j'ai joué avec des musiciens. Pas possible, les gars, ils jouaient faux. Ils jouaient en sol et s'accompagnaient en dos. Ah ouais? On y va? Allez. Eh bien, on y va. Allez. Chelem, ah, ma joudrome sa. Mala chelem, chugare promessa. Chelem, chelem, ah, ma joudrome sa. Mala chelem, chugare promessa. Caravane,
star mareccia velen. Ando sarmi cotar le bocche le cataraven star mareccia velen. Ando sarmi cotar ven le cialen.